Salut YouTube, nous revoilà sur Metroid Prime 2 Echoes. La porte du temple sombre est verrouillée. Trois clés sont nécessaires pour rentrer. Ah! Trouver la troisième clé du temple. Du temple, d'ailleurs. Ah, mais tellement bien. Je peux y aller du coup? J'y suis déjà allé? Eh mais comment j'ai fait pour me louper? Je me suis lardé? En fait, je me suis lardé. Ah, il y a Genius qui vous dit bonjour YouTube. Graphiquement sur Switch, c'est pas terrible. Ah ouais, tu vois, il me semblait que j'avais un souvenir d'un jeu qui était quand même propre. Qui était quand même très propre. Ok, donc faut que j'aille... Mais attends, mais... là, en fait, ouais, parce que là, j'ai le truc. Ou alors, c'est parce que j'ai eu la carte. Je suis dégoûté en fait, si je l'ai oublié, si je l'ai foiré, c'est quand même con. Ah par contre graphiquement sur Switch, ah c'est pas terrible, non d'accord ça y est, je viens de tilter. Ouais mais le pro contrôleur de toute façon t'as pas pu jouer à Skyward Sword avec vu qu'il utilisait le gyroscope pour taper. Donc de toute façon ça n'aura pas marché quoi. C'est propre en 2011 mais le mec HD a insultant. D'accord ok. Donc faut que je retourne dans le marais. Je retourne au marais. C'est tout ce que j'ai à faire là. Ah bah là je suis dans le temple. Et le marais. Ah c'est ça le marais, c'est dans l'ascenseur. C'est l'autre ascenseur je pense, non? Je sais plus. De toute façon ce que j'avais fait la dernière fois c'était de la merde là, j'étais Je me fais aggro direct quoi. J'ai jamais mis un jeu Wii sur ma Wii U. C'est dommage, ça marche bien. Le marais c'est notre tiekar. Il a déjà fait la blague. Il a déjà fait la blague, plein de fois. Après je pourrais dire que c'est le marais de Xander Corvus mais y a plein de gens qui vont pas comprendre donc et je pense que je vais être le seul à comprendre et je vais passer pour un gros dégueulasse donc donc je vais juste me taire et puis prendre un petit biscuit. Hop là. Je serais que c'est un bon film. Oh là là. Genre. J'ai une vidéo de différence des graphismes entre Wii et Switch, en gros mis à part l'aliasing qui est amélioré car meilleure console. T'as rien qui change. Ah ok. Alors là il y a un portail mais non faut que j'aille à la porte qui est derrière moi. Le son est un peu bas. Je vais augmenter le son à l'aide de ma GoXLR.
suis où là? Quoi, c'est chelou ça? Bon, ok, y'a rien. Hop! Et un autre petit biscuit. Bon, sinon, comment vous allez tous? Est-ce que tout va bien? Donc là, je suis dans le marais. Il faut que j'aille là, mais je suis vraiment à côté. Hein. Putain, c'est nul, je suis à côté quoi. Au top, je me fais un petit vol là. Petit vol de quoi? C'est quoi des langues de chat? Non, c'est des Biarritz. J'ai hâte que le week-end commence pour de vrai. Les clients sont pas sages aujourd'hui. Vilain client. Vilain, vilain. Sur Flight Simulator. Vol dans SS. Qui est en SS? Ah, mais en fait, j'étais juste à côté, hein. C'est la zone où j'ai passé des plombes, là. C'est con. Est-ce que j'ai un portail? Et où est-ce que j'ai un portail? Ah bah voilà, en plus j'ai un portail juste à côté. Oh là là, tout easy. J'ai une sauvegarde juste à côté là. Juste là, ça sauvegarde. Parfait. Téléphone dans une main, la boule anti-stress dans l'autre. Bizarrement, je la vois plutôt éclater des choses pour se calmer. Ou casser des gueules sur Street Fighter ou des trucs dans le genre. Moi, je suis dans le mal de nouveau. Enfin, je vais boire et prendre un petit Doliprane. Je fais la gueule, mais sinon ça va. Ah bah ça. Je vais être un peu KO, mais ça va aller mieux. Soon TM. Et tiens d'ailleurs, en parlant de vaccins et tout ça, bon, faut vraiment que j'arrête de regarder, hein, mais qui tu sais s'appelle Résistante maintenant. Voilà. Il faut qu'elle s'organise avec d'autres résistants. Je comptais envoyer un petit message en disant voilà, faudrait peut-être qu'on discute, qu'on pose les. Enfin, j'ai besoin qu'on en parle. Quoi? Oh, mais pas eux encore! Attends, Chrisou, c'est lesquels? C'est quoi qui va leur faire mal à eux? C'est les rayons sombres ou c'est les rayons clairs? Ah, ils sont gros les cons. Plus la peine de discuter, ouais là je... Ils sont partis? Ah, ils ont une marre. Ils ont une marre, ça va durer trop longtemps. Je vais lancer Doom Eternal je crois, ou Tetris Effect. Elle prouve qu'elle existe. Ouais, elle résiste, ouais, effectivement.
Du coup, je me mets la musique. Bah ouais, mais le problème là, enfin aider les gens, moi je suis pas contre, hein. Mais là le problème c'est que il y a eu aucune discussion. C'est une personne qui m'a balancé ses arguments de merde là, sceptique et compagnie, comme ça, en vrac. Et puis qui derrière m'a dit mais j'ai pas envie d'en discuter. Juste après avoir m'avoir balancé les trucs quoi. Donc qu'est-ce que tu veux faire quoi? Comment je fais pour y aller? Ah! Il y a un petit conduit. Non? Comment je fais pour aller au portail? J'ai envie d'aller au porto, moi, là. En plus, il y a une réserve de missiles à côté. Ah, c'est pas... Merde. Alors maintenant, ça, je peux? Ah bah voilà. Je connais le genre. Ouais, mais elle est grave bonne. On lui parle. Non, là honnêtement, moi je. Est-ce que je suis vraiment en train de justifier? Non, c'est vrai qu'elle est bonne, mais derrière, j'ai pas envie. Ouais, on arrive là, donc c'est pas là. Ah merde. J'ai encore le portail dans le fond, mais j'aurais préféré avoir celui-là, quoi. Bah voilà, bah la noisette. Je la casse entre mes fesses, hein. Être borné et chiant, ça peut être en off. Ah oui, bah clairement. Oh, les revoilà, mais... Mais barrez-vous! Ouais, vas-y. Quoi? C'est quoi ça comme porte? Ah, c'est parce qu'il y a les connards? Ah ouais, je suis enfermé, en fait. Non, mais c'est des mecs sombres, donc... Où je leur balance de la lumière en pleine tronche, c'est ça? Ils sont où? Attendez, j'ai le super missile à rayon de lumière aussi. Il faut que j'y pense. Putain, ils sont barrés. Ils sont barrés. Ah ouais, le pistolet trou noir, c'est vrai, exact. Mais ah oui, je sais, ça y est. Oui, je me suis rappelé plus comment l'activer, mais ça y est, je pense me rappeler. Donc, il y a un portail au bout, normalement, là. Ah non, merde, c'est pas là. Il y a un portail ici, ok. Enfin, mais pourquoi je peux pas aller là, quoi? Ça va me faire chier. J'ai envie de savoir comment on y va, hein. Dans l'autre partie. Bon allez, se prenons pas la tête. Bim bim bim.
Ah d'accord. J'ai un truc ici. Non. Non mais rentre dans le machin. Rentre, non mais. Oh mais quelle horreur. Mais pourquoi ça fait ça? On la connaît depuis peu, on connaît pas ses convictions, de tels sujets révèlent aussi les principes à son niveau actuel, faut pas se leurrer. Covid et le vaccin est l'un des thèmes qui cristallise tout ça, ouais. Voilà, on prend du temps. Ah. Ça va être relou. Quoi? Mais j'ai même pas le temps. Ah mais j'ai un truc là. Putain je l'avais. Hein? D'accord. Bon bah super. On prend du temps pour les gens qui importent. Depuis un an, je veux plus perdre mon temps pour les autres. J'ai plus la force. Bah non, mais c'est ça, à un moment, faut être déjà bien soi-même pour s'occuper des autres, quoi. Et puis, temps et énergie sont tellement comptés, faut bien choisir à qui, quoi, les consacrer. Voilà. Hop là. J'ai un boost en vitesse là d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Et quoi là? Je suis allé ici? A priori oui. A priori ouais, j'y suis déjà allé. Bon. On va essayer de voir si on peut aller jusque là-bas maintenant, à partir d'ici. Alors, je suis ici. Ah bah oui, bah c'est le truc d'à côté. Ah oui, bah d'accord. Je sais pas pourquoi je me suis pris la tête, hein. Merde, trop loin. Ah! Ça me pique. Ça me fait baba. Oh, tu es gentil, patatarte. Auto. Ah Auto qui arrive direct pour troll. In trolling we trust. Alors. Donc Otonoshi me demande si j'ai commandé mon bras Elgato. Évidemment. Une affaire en or comme ça. Bah oui, il est là le bousin. Ah bah voilà. Hop. Je vais utiliser pour vider un quoi. Tu vas utiliser quelque chose. Bah, des bisous Gigit. Merci d'avoir été là.
Le petit thé. Du petit thé. C'est l'une des trois clés nécessaires. Alors je pourrais aller à côté parce qu'il y a la porte violette là. Et peut-être que ça me donne quelque chose la porte violette. Peut-être à la sauvegarde avant, non? Oh non, il y a encore les relous là. Pas les blairer eux. Sinon, hier j'ai bingé les 5 épisodes de Loki. Les 5 derniers, en même temps il y en a 6. Donc les 5 derniers, oui, effectivement, c'est quasiment toute la série, quoi. Mais ouais, non, j'ai beaucoup aimé. Hein. Mais le... J'avais vu... Enfin, je trouve que le dernier est un peu... Il est pas décevant, parce que le truc est bien, quoi. Mais si ça avait été plus développé, ça aurait été cool. Ça aurait été cool. Bon, le fait est que ça l'est pas, mais... Ah mais oui, d'accord, je sais comment on y va de l'autre côté, là. Ah mais oui, mais je suis un con. C'est pas extraordinaire trop non plus. Ah, moi j'ai trouvé ça vraiment sympa. Hein. Ah bah non. Comment je fais pour y aller, là? Ah là, il y a un truc, il y a une plateforme là. Elle vient d'où cette plate... Ah non. Attendez. D'accord, ça vient de là. Trouve aide. Et donc, ici, je peux retourner dans le monde clair. Trop court, ce qui n'est pas forcément un défaut. Mais peut donc être. Mais peut donc être décevant. Ok, j'ai compris. Allez, une petite réserve de missiles en plus. C'est cool. Donc, j'ai réussi à y aller. Et donc, est-ce qu'on peut y aller depuis? Ah non, on peut pas rentrer dans cette pièce-là depuis l'éther normal. Ok, donc c'est vraiment fait pour quoi. Mais je... Putain, c'est infernal. Bah, vous bougez pas, vous retombez au même moment... Enfin, vous retombez derrière... Non, mais c'est ouf. Y a franchement des trucs qui me vénèrent dans le jeu. J'ai juste avancé, en fait. Là, je vois rien, je sais pas où faut que j'aille, mais... Ah bah là, cette fois-ci, ça a marché. La caméra a bien voulu faire quelque chose. Et donc, faut que j'aille où? C'est ça, la porte qui est juste en face de moi. Là, c'est les relous. Merde. C'est quoi? Ah! Une réserve de munitions pour rayon. C'est cool ça. Je peux pécho du rayon en plus. Que ce soit rayon sombre ou rayon clair.
Rayon Julien Clerc. Est-ce que vous pensez que je peux y aller en haut maintenant là? Ça va mieux au fait? Ouais, ça va mieux. Oui, non, ça a duré qu'une journée. Hein. Il y a vraiment une journée où j'étais sur les rotules, où j'en pouvais plus, quoi. Oh, j'en pouvais plus. Hein. J'avais les beaux symptômes d'une grippe, quoi. C'est la faute à la... Non, bah non, justement, j'étais bien grâce à la codéine. J'étais bien, putain, j'étais bien avec la codéine. On peut devenir dépendant de la codéine ou pas? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous pouvez me dire si on peut être dépendant à la codéine ou pas? Sinon, je reprendrai bien un petit peu. Non mais ça me fait... ouais, j'irai explorer le monde à la fin. Quand je serai full life, full arsenal, tout ça quoi. Ouais, tu peux être dépendant à la codéine. Ah mais une dépendance... ouais, alors c'est dépendance physique ou c'est dépendance psychologique? Merde. Je crois que j'ai fait une bêtise. Putain, toi ta mère. Physique de merdier. Je peux pas retourner là-bas? Non. Mais c'est quoi ces conneries? Attendez, en faisant le saut, un saut bien timé. Si. Putain, j'ai flippé là. Dépendance physique, d'accord, ok. Faut éviter de trop toucher aux antidouleurs, hein, genre Keta et tout. En fait, tu t'habitues et le jour où tu dois avoir une opération, sans doute plus risqué. Ouais, non, mais ça je sais bien. Ça, je sais bien que voilà, plus tu consommes d'antidouleurs et on a quelqu'un dans le chat qui malheureusement a ce genre de problème. Donc je sais bien. Ils me tirent dans le dos ces petits enfoirés quand même. En fait, Metroid Prime a ce côté très réaliste où j'imagine que si on avait un casque comme ça, une armure comme ça, en fait on verrait aussi mal en fait, en vrai. Oui, la codéine, oui, pour te faire opérer, oui, je pense que ça serait pas assez. Hein. Clairement, une petite opération à la codéine, je suis pas sûr que ça soit le meilleur truc. Hein. Syndrome Stormtrooper, peut-être, hein, c'est ça. Hein. Si on se retrouve, on saute, on se retrouve face à un mur, on fait merde, qu'est-ce qu'on fait? Il faut juste lever la tête et dire ah! Ah en fait, il y a un truc au-dessus. Effectivement. Ça c'est les portes grises, je peux pas le faire encore, les portes grises là. Je vais où du coup là? Je sais pas où je vais là.
sont mignons là. Hein ? Il y a une porte bleue, j'y suis jamais allé. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Faut que je tourne là ? Ah oui, en plus ça descend d'un étage. Bah je vais essayer ça. Hein. Ok, je vais essayer ça. Là on est où ? Ok, faut que je prenne la porte blanche qui est en face. Ok. Merde, y'a le gros, y'a le gros. C'est bon. Merde, y'a le gros aussi là. On arrive déjà. C'est tellement bien. C'est tellement plus court. Allez. Ah, c'est fini pour les biscuits par contre. C'est fini pour les biscuits pour aujourd'hui. J'en ai déjà assez mangé. Alors, je me retrouve ici. Et là, je veux aller où ? De l'autre côté là-bas. Pourquoi j'y suis pas allé ? Alors j'étais bloqué. Il est très probable en fait que je sois bloqué. Que là il y a une gentille porte, mais que je sois bloqué avant en fait. Bien que maintenant j'ai le grappin, quasiment plus rien devrait me bloquer quoi. De toute façon au bout d'un quart d'heure à tourner dans le vide, il y a le jeu qui va me dire espèce de gros sac, faut que t'ailles là. Donc c'est parfait quoi. Ouais, là je peux pas y aller parce que porte jaune c'est la bombe de puissance, c'est la bombe de balle de puissance. Non, là il y a juste un portail dans le fond, on s'en fout. Ah non, là faut remonter. Ouais. Et les jambes cassées. C'est lui, hein. Je crois, hein.
Ah, peut-être pas. Si, c'est ça. Loupé. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Hop. J'ai pas encore regardé à combien d'heures j'étais sur Metroid Prime 2. Alors, j'arrive où? J'arrive là. Et voilà, c'est ça, c'est le grand machin là. Bon bah on va y aller. Là il y a le portail qui sert à rien là, enfin... Ah mais non, c'est ça! C'est Keblo, je me rappelais plus. Unité de commande n'apparaissent pas dans le spectre visible ni dans l'espace-temps actuel. Ah, ça doit être. Il y a un portail juste à côté. Est-ce qu'on l'ouvre pas par hasard avec en étant de l'autre côté? Ça me dit quelque chose. Hein, j'ai dû le faire. Hein. J'ai dû le faire, mais. Je sais pas pourquoi ça marche pas. C'est pas là où je suis mort la dernière fois? C'est pas là où je suis mort au dernier stream par hasard. Mais ouais. Voilà, bon. Et ouais, c'est là où je suis. Là, je suis mort dans le. Je suis mort dans le caca en bas au dernier stream. Mais donc. Est-ce que je peux pas activer. La porte depuis ici? Ça, c'est du foison. Ah, j'avais pas. Les points d'attache, je les ai pas scannés. Donc, est-ce que je peux scanner quelque chose ici? Ah ouais, je peux scanner plein de trucs. Là, il y a les machins. Là, il y a les mecs. La cible est morte. Faut que je fasse gaffe, parce que la dernière fois, c'est là que je suis crevé. Hein. J'étais pas monté là. Si, non, peut-être. Pourquoi pas? Sûrement. Allô? Ah, mais ça doit être derrière, là, non? Et ouais, c'était là où... Bah oui. C'était le truc qui rongeait l'acier, là. I remember. Ok. Merde. Fais chier ce con là. Oh mais non. Oh là là. Ah. Ah. Ça j'avais pas trouvé la dernière fois. Hein.
Ah d'accord, ça me ramène là. Quelle connerie. Non mais... Oh, non, je veux pas crever ici. Hein. Ah, y'a les mecs. Oh, ils m'emmerdent tous. Oh putain, j'en peux plus. Arrêtez de me faire chier. C'est quoi le truc? Ça active quoi ça? On sait pas. C'est quoi la porte là? Ah, c'est une porte écho. Faut faire oh eh! Comme ça. Et la porte elle vous répond eh oh. Mais je suis bientôt mort là. Je fais mon malin mais je vais tomber dans le ravin. Voilà. Allez. C'est ça, c'est corroder l'acier. Comme le dauphin. Écho, c'est ça, comme écho le dauphin. Exactement. J'ai une arme. Bah, comme dans Streets of Rage. Comme dans Streets of Rage 4, vous avez vu hier. On peut avoir un, un dauphin comme, comme arme. C'est pareil. Dans Metroid, c'est pareil en fait. De toute façon, on n'est plus à ça près. Hein. On défonce la faune et la flore. Donc, on prend un dauphin comme ça. Et hop, on tabasse la porte. Et la porte s'ouvre. Et en passant par là, est-ce que je peux y aller? En fait, la grande question est là. C'est est-ce que je peux passer par là? Je pense pas, hein, mais... Est-ce qu'on va se taper le tour Non, on était bloqué. Je crois qu'on avait déjà essayé. Ouais, je crois qu'on était, on était bloqué. Et bah du coup, je sais pas où aller. Voilà. J'ai une porte là. Pourquoi j'y suis pas allé là? J'ai une porte, j'y suis jamais allé là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah non, ça c'est la porte. Ouais, il me faut les... Là, le vert, il n'y avait rien. Il me faut vraiment les boules... Enfin non, là, il est... merde. Les bombes de puissance, hein. Faut vraiment que j'arrive à pécho les bombes de puissance quelque part. Mais où? Parce que ça, c'est bombes de puissance aussi. Les portes jaunes, c'est les portes bombes de puissance. Et je sais absolument pas où aller. Hein. Parce qu'il y a que ça, il y a que ça, il y a que ça. Et dans les terres sombres. Là, il n'y a pas des terres sombres pour ici. Ah là, j'ai une porte verte. Ah là, j'ai une porte verte. Là, on a quoi? Là, je crois que j'ai tout fait ici. Hein. Là, il y a la porte à la con, mais... Merde. C'est juste pour... Pour que ça aille plus vite. Voilà, mais les terres sombres ici, j'ai tout fait. Dans le temple déconne. Ici, il me manque des trucs. Mais c'est de la porte bombe de puissance. Donc il me faut vraiment la bombe de puissance. C'est vraiment le prochain truc qu'il me faut, quoi. Par contre, où c'est bonne question. Donc, là, je vais
mystère du temple. Ah mais j'ai encore un truc ici. Ah ouais, non, d'accord. Ok, au niveau du chemin sacré. Je suis où, moi, là? Ce côté-là, non? Oh là, je sais plus où je suis. Ah bah non, c'est là où j'étais. Oh là, mais... oh, le mec. Ouais, c'est la porte qui est au bout de Corro de l'Acier. Ok. Comprendre, hein. Par contre, là... Attendez, faudrait que je... Ah bah voilà, dézoomage. Dézoomage, rezoomage. Ou donc que j'aille ici. Mais au niveau... donc c'est ça. Oh, en plus c'est bien, il y a un portail qui est juste là. La salle des yeux. Ok, donc je remonte dans le gourbi là. Ça c'est le bordel. Je vous jure c'est le bordel. Hein. Faut que je remonte dans le temple gourbi. Et que je redescende au bon endroit. Ce qui est pas donné. Hein. Je me plante toujours, mais... Là, il nous dit quoi? Eh ouais, non, mais ascenseur A, ascenseur B, mais ascenseur C, quoi. Vraiment, le jeu qui se fout de notre gueule. Hein. Je suis là. Je dirais que c'est en face qu'il faut que j'aille. Je dirais que c'est en face, mais c'est pas en face. Parce qu'en face, ça nous mène à l'étage au-dessus. Plutôt aller à gauche. Aïe. Aïe. Arrêtez de me battre, quoi. Allez, bon, on va voir où ça nous mène. Faut que j'aille à la chambre des yeux. Donc on est à la terre du temple. Là on est bien. Merde, c'est pas le bon. Site d'atterrissage. Salle des yeux. Attends, c'était l'autre. C'était l'autre. Est-ce qu'il y a moyen d'y aller? Manière simple. Oh, allez, j'y vais comme ça. J'en ai marre. J'en ai marre de remonter à l'étage là. Donc là, faut que j'aille où? YOLO, ouais, non mais ouais, c'est chiant. Là, faut que j'aille. La petite pièce en face, là. Ok.
Ok, une fois que je suis là. À droite toute, non? C'est ça, à droite toute, mais je reste à l'étage. Ça ne descend pas. Hop. That way. I want it that way. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Attends. Voilà. Et donc ceci à réactiver. Là, il y a un Maccabé. On arrive là. Là, je vais où? Faut que je prenne à gauche. Ouais, faut que je prenne à gauche. Ça c'était bon, ouais. Ensuite j'arrive là. Ensuite salle des yeux. Ok. Ensuite portail. Pas simple hein. Mais je reviens là en fait. J'ai fait 12 000 km pour rien. Je me retrouve au début finalement. Enfin au début de ma session quoi. Et quand je disais le portail il sert à rien, bah si il va servir. Oh, j'ai déjà plus de vie. Putain, je vais dans le monde sombre alors que j'ai déjà plus de vie, ça serait pas un peu con? Je reste pas là-dedans, moi. Voilà, ça me fait gagner de la vie, c'est très bien. Et donc, j'ai une porte verte au bout. Non, c'était pas ça. C'est quoi les portes vertes? Le super missile. Oh merde.
Voilà. Ça a duré des heures, mais c'est passé. Donc je suis là. Je suis très content. Il y a un truc derrière moi que je peux scanner. Là, les banquiers. Système de contrôle. On n'est plus chez nous, dictature, tout ça. Ok, donc là on n'a rien du tout. Et en face, on a un truc qui est Keblo aussi, c'est super. Donc, il faut vraiment que j'aille là-bas. Ça, ça donne rien, c'est super. Je sais pas pourquoi il y a un petit parapet là. Voilà. Alors là. Alors il y a une porte verte derrière. De l'autre côté, il y a ça ici. Qu'est-ce que c'est-il donc ici ? Ah là c'est un cul-de-sac dans le mode dans le monde clair. Donc là c'est sûrement la suite par là. Là il y aura sûrement un truc. Ouais c'est ça, ouais les tentacles, ouais les tentacles. J'adore les tentacules. Alors là, analyse. Les tentacles. Oh là là, une salle. Une grande salle avec des trucs. La clé d'Akal a été mise en place, ce verrou restera jamais ouvert. Ah ! Placera le pilier de terre, centre, encore sans vie. Ah, c'est là où je place les clés en fait, d'accord. Ah, gna gna, qui a fait dernière vision, le portail se fermait, tout ça, est-ce que ça sent pas le roussi, hein ? Tout à fait, comme les sèches, avec un peu de beurre. Retrouver la clé perdue et défendre notre cause. Ah ! J'ai fait 60% de la base de données. Bravo à moi. Courageux d'Islam, qui le dérangera parmi un, hein, la Terre Sainte. C'est qui ça ? Information transférée à votre banque de données. Pourquoi il y a un truc Non, ça fait rien ça. Ouais, écoute les 1, on va retrouver la clé perdue d'un. Les valeureuses 1 reposent le plus profond d'une forteresse sur une terre sèche. Oh non, mais ils peuvent pas nous dire directement où c'est quoi.
Son corps repose toujours près des marais d'une terre de pluie. La terre de pluie et la terre sèche, quoi. Enfin, super. C'est le désert et les marais, quoi. Oh là là, c'était compliqué à trouver, hein. Avec une cause de préservation, il dort dans un temple inondé. Et mais me dis pas qu'il faut que je me retape tous les mecs que j'ai scannés, là. Qu'il fallait venir là en premier, et après aller chercher les mecs. Il respire plus, regardant au bas d'un grand pont, une forteresse sainte. Ça va me saouler. Judicieux Krotrof repose dans le silence d'un petit couloir dans les profondeurs d'une haute forteresse. Ok, c'est super, je suis arrivé là. Je suis ravi. Et il y a un portail au fond. Il est où ton portail là? Attendez, je suis rebou ou... Non, je regarde pas en face, d'accord. Ah, le portail il est probablement derrière tout ce merdier de façon. D'accord, donc pour l'instant inaccessible. Ok, bon bah je suis ravi, je suis venu là, hein. Ain't nothing but a heartache. Ain't nothing but a mistake. Merde. Ah. Ça se trouve, je suis pas loin. Oh merde. Oh si je voulais, c'est là où je voulais aller tout à l'heure. Et que j'ai dit non, c'est trop haut. Oh merde. Oh merde, je suis trop con. Oh je suis trop con. Oh merde. Ah non! Ah non, c'est les gros! Et puis j'ai rien là! Attendez. Ils sont où les connards? Merde. Oh. Et merde. Un de moins. Ah bah non, ils sont deux toujours. Ah bah non. Mais c'était combien? Oh, les combats inintéressants, quoi. Vraiment, hein. Les combats, c'est vraiment de la merde. Hein.
Vous vous amusez, vous? Parce que moi, pas du tout, hein. Je sais même pas pourquoi je fais ça, en fait. Ah! Y'en a un qui a pété, là? Ah, les dons pétés! Ça y est! Samu quoi? Ouais, non, c'est... Samu Saran, c'est Samu Saran. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui Samu Saran? En fait, j'ai fait ça en plus pour rien, parce qu'il y a que dalle, là, dans cette salle. Oh, je suis trop con, j'aurais dû écouter mon instinct. Mon instinct me disait d'aller dans le machin bizarre là. Ma petite pièce nulle. Il est où mon portail là? Il est là-bas, ok. Oh bah barrez-vous. Non mais je me casse. Je vois pas le rapport entre jeu et amusement. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils ont fait l'impasse là. Clairement sur ce Metroid là, ouais. Hop. Allez. Et donc, faut que je retourne dans les marais. Oh, mais regardez. Oh non, mais. À peine vous êtes sorti, vous faites aggro, quoi. Donc, demi-tour. Demi-tour. Que là, je suis pas à côté des marais, hein. Mais si, je suis à côté des marais. Mais qu'il est con. Et qu'est-ce que je fous? Regardez, je me prends tous les murs. Hein. Mais non, mais tu comprends pas, Auto. Des très beaux niveaux de gris. Les plus beaux niveaux de gris que t'aies jamais vu dans un jeu vidéo, hein. Moi j'aurais récupéré un peu de vie. 16 millions de niveaux de gris, c'est exactement. Pour exploiter toute la palette de couleurs fournie par la console. Papi, papi. J'adore le bruit des guêpes. Allez. Alors, on retourne dans le marais, et là, il faut que j'aille
tout au bout, c'est ça? Voilà. Et le portail le plus proche, il est où? Il est là. Ah non, ça c'est le portail à la con que je peux pas avoir, ça. My bad. À la limite, le portail ici. À la limite, le portail ici, ouais. Parce qu'après, une fois que j'ai le portail là, je fais ça, ça. Après, je traverse tout, là. Ouais, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, il est plutôt rapide à avoir. Donc là, je suis où? Je suis pas là, donc évidemment. Là, déjà, on va sortir, on va sauvegarder, hein. Ça serait déjà une bonne idée. Ouais, ça y est, ouais, c'est ça. C'est ça, voilà, c'est ça. Je suis en train de refaire mes scènes OBS pour enfin faire le grand changement. Je me rends compte que ma licence XSplit est expirée pour VK, mais que c'est probablement dû au fait que j'ai pas stream depuis un mois et demi. Hein? Bon, ta licence, elle était pas à vie, ta licence VK? Il semblait que t'avais une licence à vie là. Non, je prends pour un an. Ah ok, d'accord. Ah, à chaque fois c'est un an. D'accord, ok. Eh bah écoute, c'est l'occasion d'installer ton fond vert. Pour ne plus avoir besoin de VCAM. Eh. Non mais non, oh, il m'a mis en dessous, il m'a mis en dessous. Attendez, je suis là. Là, faut que je prenne. Là, puis là. Ah mais non. Ah mais je me suis complètement gouré, vu qu'il y a l'étage. J'ai pas de portail ici. Ah d'accord, ok. Ok, j'ai compris. En fait, il n'y a pas de portail, d'accord. En fait, j'ai confondu avec l'étage en dessous. Ah, quelle naze. Putain, l'autre, il m'aggro direct, lui. .80, ça dépanne le temps de... Mais non, mais tu vas jamais le faire si tu... si tu reprends la licence, tu vas jamais le faire. Arrête un peu. Merde, c'était par là qu'il fallait aller. Ah non, merde. Putain, mais faut aller où? Ah oui, d'accord. Si je la prends pas, je reprendrai pas le stream. Qui de la poule et de l'œuf, quoi. Qui de la poule et de l'œuf. Et du auto. Le fond vert, j'ai la flemme. Putain, mais attends, ça fait combien de temps que t'as ton fond vert? 6 mois? Non? T'as le plus beau fond vert de tout le Twitch game. Et tu le mets pas en place, quoi. Bah ok, bah la porte... ouais, ça. La porte bleue qui est à droite. Non, 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 mais... Non, mais... Non! Putain! Ah, j'ai cru que j'étais... Oh non, puis il faut les buter. C'est un combat obligatoire. Oh, fais chier. Quoi? Qu'est-ce que j'ai pris?
prends des trucs, je sais pas quoi. Ah bah d'accord, bah, bah oui, il est sur ma plateforme ce con. Oh mais génial, génial. J'adore, je kiffe. Mais il me tombe sur la gueule hein. C'est bon, il a disparu. Je les buterai jamais, mais c'est pas grave. Ouais, je fais le détour là. Je vais dire, je fais le contour. Hop, dans le truc un petit peu serré, mais. Qui ressemble à quelque chose d'organique. Et là, ça va être rebataille, non? Et je me casse. Et je vais avoir le bon truc. Yes. Et j'ai pas sauvegardé. C'était peut-être une connerie de pas sauvegarder, hein. Parce que souvent pour avoir des technos, faut bon tant pis c'est pas grave. Quoi? Code clé reconnu, c'est serrure déverrouillée. Ok super, la serrure a déverrouillé, on est ravis hein. Ok, attendez par là, je peux aller recharger moi. Je peux aller recharger tout ici. Ah c'est quoi ça? Voilà, station de recharge. La 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 la. Donc tout est rechargé. On est bien content. Ensuite, on retourne dans l'autre salle là. Oui. Mais encore. Quoi? Une salle où il n'y a rien dedans. Super. Donc. On retourne dans la première salle. Attendez. Ah! Je l'ai pas la dernière clé là. Ils sont mignons là. Je sais pas où aller moi leur dernière clé de merde là.
Est-ce que quelqu'un dans le chat sait où elle est la dernière? Est-ce que quelqu'un dans le chat sait où est la dernière Bah la deuxième du coup, parce que j'ai eu la 1 et la 3. J'ai eu la 1 et la 3 comme clé. Bon allez. On va la regarder, parce que franchement là j'ai pas la foi. Hein. Vraiment... Ah, me taper des allers-retours là... donc c'est quoi? Clé. Éther sombre, marais. Marais, Thor, Vus. Oh là, qu'est-ce que c'est? Oh putain, il y a un truc. Je suis tombé sur un Skyblog. Je suis tombé sur un Skyblog et tout est ensemble. C'est l'église, les 10 clés sont nécessaires. La base détenue aux luminotes, clés des gardiens. Les cadavres analysables se trouvent chaque version lumineuse des salles où se trouvent désormais les clés. Ah! En fait, là où il y a les mecs morts, dans la version sombre, c'est là où est la clé. Oh là là! Ah non, c'est les clés du temple du ciel. Oh là, je pige rien. Je vais prendre une partie au hasard là. De quoi on parle? On parle de clé là. J'essaie de trouver la troisième clé là pour arriver, pour monter d'un étage là. Mais je sais pas où est la troisième clé, j'ai pas envie de me faire des allers-retours dans le Torvus sombre là. Attendez, je vais faire carrément chercher Solus Metroid Prime 2 parce que... Metroid Prime 2. Sur jeuxvideo.com, le truc sur la Solus. Planète ZBS. Moi j'aime bien sur Super Solus. Souvent elles sont pas mal faites les... sur Super Solus y en a pas. Ah super, super hein. Le jeu, les trucs et astuces, jouer mieux. Bla bla bla, les vidéos, le manuel, l'équipement. Putain, il n'y a même pas de Solus là. C'est chiant. Et il me parle de boss, je sais même pas si je les ai encore eu ou pas. Oh là là. T'as pas l'info, Silent, je suis déçu. J'ai réussi à voir les deux premières clés, il me reste la dernière, mais le problème c'est que je sais pas comment faire sans deck. Pour l'instant, je sais qu'on obtient dans les temps venimeux, dans les terres sombres. Il n'y a aucun portail à proximité, please help me. J'en suis à la deuxième, t'as un peu de patience, demain je vais pouvoir te dire si je suis pas bloqué comme toi. Super, et le mec a jamais répondu, c'était en 2005. A priori, le mec a toujours pas trouvé depuis 2005. Ou alors, il a oublié de demander quoi.
Attendez. Bonjour. Bonjour, je suis bloqué dans Metroid Prime 2 et cause, c'est le moment où je dois trouver 9 clés pour accéder à un temple. J'arrive pas à trouver, j'en ai trouvé 2. 1 ? Mais non, j'en suis même pas là en fait, moi. Ah bah voilà, bah ça prend tellement de temps. Ça prend tellement de temps que la manette s'arrête. Accès au temple de Torvus. Ouais, voilà, je vais marquer ça. Accès. Temple. Non, temple. Torvus. Sombre. Ah. Merde, je retombe sur le... je retombe sur le... Sur le truc, sur le Skyblog. Attendez, on va gagner quoi? Je sais même pas ce qu'on va gagner en fait. Les catacombes. La zone souterraine et les terres. Putain, je pige rien. Une réserve de bombes de puissance? Mais je les ai même pas les bombes de puissance. Qu'est-ce que vous me faites chier avec des réserves de bombes de puissance? Je les ai même pas. C'est infernal! Attendez, ça s'appelle comment les trucs que j'ai scannés là? Putain, le jeu croit vraiment que je vais me taper tout en avant, en arrière. Et si j'allais à la sauvegarde déjà? Ah, le jeu il backseat que quand t'es pas quand t'es en pause quoi. Si t'es en pause, il backseat pas. Attendez, hop. Effectivement, ça va plus vite, hein. Ah non, puis le jeu, il va pas me backseat, parce que le jeu, il m'a déjà backseaté sur... Il y a une techno luminote qui est dispo. Et t'as jamais deux backseats en fait. T'as jamais deux backseats sur le jeu, t'en as toujours qu'un quoi. Bon. Hop. Allez, YouTube, on va s'arrêter là. Donc tu sauras la prochaine fois si j'ai trouvé la clé. Et puis dans le live, je vais aller faire un petit pipi, une petite pause. Bisous YouTube.